Bon bah salut les gars, c'est Mika, donc bah aujourd'hui c'est le grand jour J, c'est l'ouverture. Donc bah je vais démarrer avec la copie de la RS en 2,5 grammes et puis on va voir ce que ça donne. On a déjà bien réglé son frein avant les premiers lancers. Là. Alors niveau nage, qu'est-ce qu'elle donne cette petite copie de la RS? Ah, la palette tourne bien. Bon bah les gars, un petit bilan de la copie de la RS. Bah franchement, dans les courants, elle se comporte très bien. Après moi, j'ai pour l'instant, j'ai que la version 2,5 grammes, donc c'est vrai que là, elle a un peu limite en poids. Mais voilà, elle fait le taf, hein. Elle tient bien dans les courants, la palette tourne à merveille. Voilà, moi j'ai choisi la petite couleur jaune un peu verte là. Bon, pour l'instant, c'est très très calme. Bon, bah on va voir ce que ça donne... C'est de la journée, mais bon, il y avait un pêcheur au-dessus, j'en ai trois derrière moi, donc ça aide pas pour faire une ouverture. Et là, elle nage nickel, nickel chrome. Je la ramène vite ou doucement, la palette, elle tourne aussi bien que l'original. Franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Au contraire. Après, je suis un peu déçu, parce que je pensais que... prendre quelques touches là depuis que j'ai démarré, mais là c'est calme, très 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 calme. Alors, même vers ce bloc là, logiquement il y en a au moins une de calée, et ben là rien.
Je me suis fait taper qu'une fois. Dans le spot, il mérite de mettre du poisson. Hein. Poisson. Ah, décroché. Oh, punaise. Ça avait l'air d'être pas vilain. Hein. Poisson. Oh, c'est petit. C'est tout petit. Ah, dis donc. Pour la première truite de l'année. Oh, c'est pas gros. Après, avec mon petit agile de chez Alashtog. Voilà. Oh la vache. Une truite de 12 cm. Allez, ma belle, repart. Hop. Putain, j'en ai loupé une belle en début d'après-midi là et je fais une ragnole. C'est compliqué. Hein. Poisson. Ah bah en fait, faut passer au leurre. C'est un peu plus gros. C'est un poil plus gros. Oh, putain, elle est forte, elle s'est quand même piqué que les deux hommes sont là. Hop. Ouais, les gars. Pareil que la première. Pris avec un petit hashtag en 38 mm, le petit agile. Allez, hop, ma belle, repart. Bah c'est compliqué parce que depuis ce matin, j'ai pêché, copie des insights, copie des contacts, copie Foxy Mino en 50, rien du tout. J'ai pêché avec la copie de la QRRS et j'ai eu un suivi, j'ai pris deux tapes et j'ai loupé une belle truite. Et voilà, j'ai dû faire sans lancer. J'y allais maintenant, je change de rivière, je vais te faire un petit ruisseau tranquille et je vais passer au leurre. Et je sais que celui-là, là, c'est une tuerie. Voilà. Bon, on va essayer de continuer d'en prendre quelques-unes. Ben, ça grimpe en taille. Ça, c'est positif déjà. Poisson. Ça, c'est bien lancé. Et ben la troisième. Ah, ça sera fait attendre celle-là aussi. Hein. Ça sera fait désirer. Ce beau petit point orange. Allez, ma belle. Ah. Toujours avec le petit agile. Eh ben dis donc. Ça a été laborieux. Pouf. C'est obligé qu'il y en avait une là-bas. Waouh! Elle est sortie.
Elle était pas vilaine en plus, ça avait l'air. Elle est sortie pour voir ce que c'était celle-là. Je l'ai. Oh non, elle est petite en fait. Ah, décroché. Bon. Bah, deux sur le même poste. Hein. Deux sur le même poste. Tiens, un poisson. Oh. Oh, ma cocotte. Et ben voilà, la quatrième. Oh, c'est pas gros non plus, mais bon. Et toujours, non ? Ouais. Allez, allez. Petite ragnolette. Oh, tu t'es piqué ma poulette. Hop là. Oh. La plus grosse du ruisseau, les gars. Allez, ma belle. Hop. Ah bah, ça aurait été compliqué aujourd'hui pour faire du poisson. Très 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 compliqué. Oh là là. Bon bah les gars, petit bilan de cette ouverture 2021. Bon, tout s'est pas passé comme prévu. Parce que j'avais prévu de pêcher une rivière, voire deux. Au final, j'en ai pêché trois. Donc ce matin, j'ai attaqué de pêcher une grande rivière. Donc ce qui m'a permis aussi de valider la copie de la cuillère, la RS. Voilà, que j'ai présenté dernièrement sur la chaîne. Voilà, j'ai démarré avec la colorie jaune et verte. Voilà, là, par contre, ce que je disais, j'espère qu'elle n'aura pas le même souci de peinture. Ben, celle-ci, voilà, elle commence déjà un tout petit peu à perdre de la peinture au niveau de la bille en tant que stem. Voilà. Donc je l'ai essayé dans les courants forts, dans les courants violents, elle n'a pas décroché. Après, c'est la 2,5 grammes, donc elle n'a pas coulé, elle est restée vraiment dans la veine d'eau principale. Hein. Voilà, il faudrait la version 3,5, 4,5 pour aller un petit peu plus profond. Ça m'a permis aussi de valider la copie du décontact, la copie du day insight qui s'est bien comportée. Qu'est-ce que j'ai pêché aussi avec la copie du Foximino en 50 mm, mais bon, celui-ci, j'avais pas besoin de le valider parce que j'ai fait tellement de poissons avec que j'étais confiant, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur la première rivière. Il y a des gens qui pêchaient en descendant, ils traversaient un peu n'importe comment, à gauche, à droite, donc bah, ils cassaient les coups. Donc voilà, c'était un peu dommage. Quand j'ai démarré, j'avais trois pêcheurs derrière moi, ils se sont dépêchés pour faire le trou avant moi, ils se couraient, donc bah, ça m'a saoulé au plein milieu de la matinée. Bah, j'ai quitté la rivière. J'ai été faire une autre petite rivière, un petit plan B, que je connaissais, que j'avais longtemps que j'avais pas été faire. Et là, par contre, j'ai pris toujours la copie de l'ARS, mais en Roswishia. Donc j'ai dû pêcher 1h30, 2h avec. Donc j'ai eu un tout petit suivi d'une petite. J'ai décroché une belle truite dans une cascade. J'ai une tape d'une petite aussi dans la même cascade. Et voilà, ça n'a vraiment pas été très très glorieux. Alors aujourd'hui, je pense pas que c'était la cuillère qu'il fallait prendre. Et du coup, j'ai pris mon petit plan C, j'ai refait une petite rivière que je connaissais. Donc j'avais des traces de qui étaient des gars qui avaient dû passer avant moi ce matin, mais bon, ça m'a quand même permis de toucher 4 truites. Alors pas des monstres bien sûr. C'était vraiment de la petite truitelle entre 12 et la plus grosse, ça devait faire 15-16. Bon voilà, pour une ouverture au moins j'ai eu quelques touches. Hein. Et voilà, c'était le petit agile de chez LH Tug que j'avais déjà présenté dans mes vidéos, mes top leurres AliExpress. Voilà. Ben, dans le premier trou, pas de touche, je fais le deuxième trou, je fais déjà deux petites truites dans le même trou. Donc voilà, bah ça m'a conforté à continuer. Et au final, j'ai eu 2-3 suivis, j'en décroche une autre. Donc au final, bah ça fait 4 truites, une décrochée. Et ouais, 2 suivis. Donc bon, bah ça, c'est à peu près positif. Donc après, moi aussi, je vais vous dire, c'est que j'ai fait le choix aussi de prendre des rivières où il n'y a pas de lâcher, c'est que de la repro naturelle. Donc c'est pour ça que certains youtubeurs vont peut-être vous montrer des vidéos avec des truites de 35, 40, voire plus.
Bon, ça sera peut-être des truites de bassine qu'ils auront pêchées dans certaines rivières. Que voilà, nous en Auvergne, on essaye encore de garder un peu la reproduction naturelle. Oui, je sais que dans d'autres départements, ça se fait aussi. Et ça, c'est le principal, franchement, c'est l'avenir. Hein. Parce que ces truites de bassine, voilà, ça amuse un peu les viardards, mais le but du jeu, c'est qu'on ait vraiment des truites de souche dans nos rivières qui continuent à perdurer, et comme ça, ben, pour nos enfants, pour même nous, quand on sera plus vieux, on sera bien content de retrouver ces belles truites dans ces belles rivières. Si, bon, après, la météo le permet, parce que avec toutes les sécheresses qu'on a depuis 2-3 ans, ça commence à être compliqué. Moi, je pensais que le ruisseau, là, il aurait presque tari cet été. Donc, j'étais pas trop confiant quand je suis venu là en fin d'après-midi. Puis au final, bah, je me suis aperçu qu'il restait quelques truites. Donc je pense qu'il y a encore quelques belles surprises à faire dans cette rivière. Donc voilà, je reviendrai plus tard dans la saison. Parce que là, bah, maintenant, je vais m'occuper un peu des rivières un peu plus vers chez moi. Et puis, bon, bah, j'espère que pour tout le monde, vous avez eu plus de chance que moi, vous avez fait une meilleure ouverture. Ouais, il y en a peut-être qui auront fait des très bonnes ou des moins bonnes. Après, ça fait partie du jeu. Après, la saison de pêche est très très longue. On a encore jusqu'au mois de septembre. Donc si on a raté la première, c'est pas grave, il y aura d'autres sorties. Voilà, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis vous abonner. Allez les gars, gardez la pêche !